tu as vu, il y a l'adresse ici, il y a le numéro ici. Ah non, mais ça c'est déjà fait. Le rendez-vous, fin week-end, le numéro de téléphone, rappelez-moi. Maintenant, non, le plus clair, c'est quoi? Attends. Tu connais ça? Allons au télécentre directement, allez téléphoner au directeur là. On va l'insulter. Tu as raison. Allons l'insulter. Mais elle ne va pas dormir chez moi aujourd'hui. Dis donc, toi tu parles de choses comme ça, mais ça, tu ne vas pas le faire. On va faire trop fort. Hein. Non, c'est trop fort. Allons-y. Je n'aime pas ça. Hein. Comment ça? Non, vous êtes trompé de numéro. Ce que tu es en train de faire là, attends. Imbécile. Tu te prends, salaud que tu es, je vais te rentrer dedans. Oui, imbécile. C'est pas moi, je t'en prie. Ah, quitte là-bas. Oh, non, ah, il a raccroché. Boukourou du con, couillon. C'est toi qui suis la femme de mon ami, hein? Dis donc, je te dis que c'est pas moi. Vous vous êtes trompé de numéro? Comment ça? Quitte là-bas, Yandi. Yandi, oh. Ça va pas chez vous? Mais... Salaud, Bougnoul. Non, il a accroché encore. Mais qu'est-ce que ça? Allons-y. Allons-y. On va le prendre. Eh, mon frère, vous n'avez pas payé l'argent. Hein? Vous n'avez pas payé l'argent. Ah, c'est combien? Non, c'est 1000 francs. Non, 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 c'est 500. 500. Il faut payer 500. Si tu as un contrat, il n'y a pas de problème. Ok, allez. Comment ça? Plus 0, 2.
Eh, Sylvie, viens là. Oui, patron. Où est la dame? Oui, oui, appelle. Patron, elle arrive. Ok, tu peux passer. La femme, on ne connaît jamais la femme. Allez. Arrête ça. Arrête ça. Tu sais ce que tu as fait? Hein? Je ne sais pas. Ok. Je ne veux pas te faire du pire. Prends tes affaires et tu dégarpilles de chez moi. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas en discuter là. Là où se trouve ma tension, au point où ma tension se trouve, je ne veux pas en discuter. Je te dis, prends tes affaires et tu dégarpilles de chez moi. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Dès que tu es en train de fabriquer dans ton service et ailleurs, tu ne connais pas ce que tu as fait. Allez, je te demande pas ça, s'il te plaît. J'en ai tellement pas. J'en ai marre. Pardon. Je te dis, va d'abord. Je te dis, va d'abord. Pardon. Dis-là de partir. Je ne veux pas le faire du mal. Patron, pardon. Je te dis. Pardonne-nous. Je te dis, Nakade. Et Allah. Si je la pousse là-bas, ça ira mal. Sinon, ça ne va pas. Un peu. Qui dit ça? Sors de chez moi, je te dis. Sors. 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 Je ne veux plus jamais te voir ici. Allez, fiche le camp. Je te dis d'aller. Je suis sur mes nerfs, il faut pas intervenir. Pardon. Je te le dis. Pardon. Regarde-moi ça. Ce qui se passe dans ma chambre ici, toi tu ne connais pas. Les rentrées et sorties là. Ce qu'elle est en train de faire à son service. Ce qu'elle est en train de faire ailleurs. Je partais téléphoner, voilà une carte de rendez-vous de l'État. Voilà. S'il ne faut plus jamais reprendre ça. Allez. Je n'aime pas ça, voilà. Ça vaut mieux la peine. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Papa, pardon, maman. Vous êtes malade, hein? Vous savez ce que votre maman est en train de faire? Non. Collez-moi la paix, ouais. Thank you.
Allons. Allons. Madame Oumou. Oui. Vous allez m'excuser du dérangement. Au fait, si je vous avais tenu après la réunion, c'est parce que j'ai une confidence à vous faire. Ah oui, ça s'est bien passé. Ah, Dieu merci. Ouais. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est malade. Là. Ah, c'est malade. C'est vrai. Et puis son corps est chaud. Oui. J'ai même envoyé. Fadouba est parti payer. Sidibé est parti payer les produits. Là. Ah, c'est bien. Ça va? Oui, ça va. Kadia, ouais. Va là-bas. Hein? Va te reposer. Va te reposer. Mmh. Sinon, elle. Ah non, elle étudie. Non, elle étudie. Elle est très c'est vrai. Intelligente. Ah oui. Tu n'es pas passé chez Dumbuya? Non, je n'ai pas passé là-bas. Oui. J'étais parti chez Dr Iya pour aller lui voir. Oui. Voilà. Ouais. Non, hier, comme je te l'ai dit, quand je suis venu, Oumou a voulu me faire des explications, commentaires de gauche à droite. Parce qu'elle ne manque pas d'arguments. Non, 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 non. Je ne l'ai pas laissé le temps. Parce que si je l'écoutais, je ne pouvais pas agir. Voilà. Dès qu'elle a commencé, je dis, arrête-moi ça. Voilà. Tu sais ce que tu fais, tu vas faire. Prends tes clics et claques et tu déguerpis le chemin. Oui. Donc tu l'as renvoyé bah. Ah, mais oui. Dis-donc, il ne fallait pas la renvoyer. Non, 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 il ne fallait pas la renvoyer, vraiment. Ah, mais je l'ai renvoyé. Ah, dis-donc. Non, 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 il ne fallait pas faire ça. Non, vraiment. Il ne fallait pas la renvoyer. Ah. Pourquoi tu me dis ça toi aussi? Il faut voir. Toi, tu ne sais pas pourquoi elle est renvoyée? Ah, oh. Effectivement. Non, tu as le droit de la renvoyer. C'est vrai, vraiment. Oumou n'est pas du tout bien. Elle n'est pas du tout bon. Au nom de Dieu. Avec son directeur là. Non, là, en réalité. Tu as le droit de la renvoyer. Que... J'ai eu d'autres renseignements. D'autres renseignements. En sûr de leur service même. Ah, voilà. Voilà. Ce que tu as dit là. Et Oumou vit bel et bien avec son directeur. Voilà. Je te dis, je ne mens pas. Je ne peux pas mentir. Un ami, comment je peux te mentir? Ah non. Je ne peux pas mentir. Comment je peux te mentir? Elle vit bel et bien avec son directeur. Moi, je ne te mens jamais. Ah bon, maintenant, elle va rester avec son directeur. Ah, c'est tout. C'est fini. Hein? On marie une femme pour qu'elle respecte les règles du foyer. C'est ça. Oumou n'est pas tout bien. Dis donc. Elle n'est pas bien fait. Toi-même, tu es conscient de ça. C'est ça, c'est ça. Elle mérite. Parce que ça, vraiment, quand tu épouses une femme, elle doit être dans les règles du foyer. C'est ça. C'est ça. Mais chaque jour, si tu vas dans leur service là-bas, si elle n'est pas en réunion, moi, chaque fois que je passe là-bas, non. Elle n'est pas là-bas de... C'est chez son directeur. Maintenant, elle n'a qu'à rester avec son directeur. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis, dis donc, moi... Mais si on ne va pas aller au café, là. Ah, ouais, allons là-bas, allons. Allons au café. Ouais. Parce que depuis ce budget, j'ai la migraine, là. Yeah. Ah, même moi aussi, c'est vrai. Allons. On va aller. Oui. Je vais prendre... On va prendre un café. Oui, il n'y a pas de problème. Hein? Ok, allons. Je vais mettre ça à la maison.
savez, l'autre fois, quand j'ai envoyé Sidiki et Shérif en mission, ça a complètement foiré. Et que pour cette fois-ci, malgré que vous soyez femme, je ne doute pas de vos compétences. Alors, pour la bonne marche de notre entreprise, je veux que vous soyez là afin que vous puissiez honorer notre entreprise. Voilà le dossier. Vous allez prendre connaissance du dossier. Vous allez l'étudier. Et après, vous partez. Du calme, madame.